Heureux, je ne sais pas si vous me voyez. Ça fonctionne peut-être, ça fonctionne pas, je ne sais pas. Que je suis de retour sur le stream ou pas? Oui, on dirait que je suis de retour. Donc, comme je vous le disais, merci Internet. J'ai eu une coupure. Désolé, désolé, j'ai une coupure d'internet tout d'un coup, ce qui fait qu'en fait, bah, vu que moi je joue avec le Shadow et que le Shadow c'est un PC dans le cloud qui a besoin d'internet pour fonctionner, je ne pouvais plus jouer. C'est magnifique, n'est-ce pas? Les aléas du direct. Mais c'est pas grave. Je suis là, vous êtes là. Je suis chaud, vous êtes chaud, ne nous refroidissons pas. Bon, du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Il y a une mamie qui m'a tendu la main. Et moi, bêtement, je me suis dit que c'était une personne de confiance. Donc, je suis allé la voir et il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que par hasard, il n'aurait pas mis le babyphone ici? Non, il l'a pas mis là. Bon, en tout cas, désolé pour le petit inconvénient. Elle est blagueuse, cette mamie. Eh, ouais. Bah, c'est ma mamie, je l'aime bien. Elle sait pas faire des gâteaux, mais elle aime bien tuer les gens et faire peur. Bon, du coup, on en était où? Ah oui, rechercher un babyphone. Je sais pas si quelqu'un a fait pipi sur sa chaise ou quoi, mais elle est bien dégueulasse. Mamie, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit, mamie? Elle nous a fait coucou. Elle est coquine, cette mamie. Mamie, même si tu tues tout le monde, je t'aime quand même. Hein. Tu pourrais peut-être m'aiguiller, me donner la bonne direction, me dire où se trouve le babyphone pour que je te rende ton enfant. Et arrêter d'éteindre les lumières. Juste comme ça. Putain, mais ça me paraît quand même bizarre. Elle. Ça c'est le moniteur, ça c'est le moniteur de base, ok. Ça c'est une bougie, on s'en fout. Super, j'ai une bougie, ça me sert à rien. Où est-ce qu'il pourrait y avoir un babyphone? Il a dit, elle. Eh mais c'était ça, en fait. Eh mais en fait, on avait l'indice qui était juste là. Il fallait juste retirer le. Putain, on le découvre juste maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai eu un bol pas possible à le mettre dans cet ordre-là. J'ai eu une chance de cocu. Bon. On va chercher un babyphone. Je pense que de toute façon, on n'a pas du shampoing. Ça va nous être utile dans notre enquête. Et du coup, ça se rajoute à la BD? Ah oui, c'est ça, ok. On trouve les pages de la BD et ça se rajoute ici.
Oh, mais c'est juste une horloge, c'est bon, pas la peine de flipper. Ah là là. Si tu voulais pas un truc qui t'indique le temps, fallait pas prendre une horloge, mon gars. C'est vrai, quoi. Quel intérêt? Abruti. Je me souviens plus où est-ce que ça mène, ça. Ah oui, c'est là où il y a tous les mecs qui sont pendus. Il n'y a pas de raison pour retourner ici. Bon, on va vite se casser parce que ma santé mentale commence à en pâtir. Oh mamie, si tu savais tout le mal que tu me fais. Mamie, arrête de tourner la radio. Ok. Bon, j'ai bien l'intention de terminer ce chapitre. En plus, j'ai même pas mes écouteurs, donc je ne peux pas savoir si mamie est proche ou pas. Je n'entends pas tous les bruits. Il y a un truc qui... C'est bien, il y a des trucs qui se produisent, mais je ne vois même pas où est-ce que ça se produit. Un babyphone. Je vois que ça. Je vois que ça. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit avec les lampes? On arrête. Tu descends ou c'est moi qui te descends? Tu choisis. Là, c'est où Pico s'est fait manger. Où est-ce qu'elle aurait pu foutre son babyphone? Non, non, non. Pas là. Non. Ici, j'avais déjà fouillé. Un babyphone. Elle a rallumé la radio, cette conne. Mamie, où t'as planqué le babyphone? Mamie. Mamie, c'est toi? Elle est là! Mamie! C'est l'heure de tes pilules! Tu pensais quand même pas que t'allais m'avoir comme ça? Ton apparition à 3 balles, toujours au même endroit, en plus. Il est où le jumpscare là-dedans? Hein? Ah, des pilules, parfait. Merci. Merci, merci, merci. Babyphone, babyphone, babyphone. Je vois que ça, hein. Ou alors faut juste que je revienne maintenant et c'est bon. Là où on avait été dans les... Nel, pas de bêtises. Oui, c'est ça, pas de bêtises. Tu m'as bien comprise. Tu m'as bien compris, je veux dire. Pas de bêtises. Ah, c'est encore le téléphone qui sonne. C'est encore la voisine d'en face qui veut nous faire chier. Mes mains sont pleines, putain. Oui, allô, Pizza Hut? Vous avez ma 4 fromages? Tu peux essayer de regarder au cas où, ouais. Me donner un indice. Dis-moi juste. Si, déjà, est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce qu'il faut chercher un babyphone ou est-ce qu'il y a autre chose à chercher?
Bah dégage alors, arrête de chercher tout le monde. Personne te retient, mamie. Tu peux partir de la maison quand tu veux. Merci, Léa. Et voilà, il me raccroche encore à la gueule. On dit toujours que les anciens forcent le respect. Là, je suis désolé, mais je ne crois pas. On m'a raccroché à la gueule. Où est-ce qu'il faut que j'aille déjà pour le... Ah oui, c'est par ici. Par ici, je descends. Je suis à quel chapitre? Je suis au deuxième chapitre. Je suis au deuxième chapitre. J'ai récupéré le quatrième objet pour l'accrocher sur la veilleuse de l'enfant. C'est, si tu veux, chapitre, c'est le chapitre de Dolorès, le chapitre 2. Je pense que je dois pas être très très loin de la fin. J'ai toujours une porte qui est verrouillée, j'ai toujours deux coffres qui sont verrouillés, mais j'ai pas de clé par contre. Ça, c'est sûr. Est-ce que par hasard... Une seconde, je vais ouvrir pour que mon chat aille dehors. Alors, est-ce qu'il y aurait un babyphone dans le coin? Dommage, le dernier truc que j'avais pas fouillé, c'était ici. Le bébé. Le bébé. Isero, le bébé. Le bébé. Bon, je vais retourner dans la salle de bain dans ce cas, hein? S'il n'y a pas de babyphone ici. Allez, on va faire le grand plongeon dans les toilettes. Téléportation, Monsieur Spock, énergie. On sent qu'il hésite quand même à sauter dans les chiottes, hein. Faire entendre encore un petit peu mamie, hein. Ok. On retourne dans la salle de bain. Merci à Showtime Slim pour ton follow. Merci beaucoup pour le soutien. Bienvenue à toi. Thank you if you're English. Thank you for watching. Au cas où, c'est jamais. Non. Ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas. Et je sais pas pourquoi. Ah. Et quoi, je peux... J'examine le pot, d'accord, et donc quoi? Il veut pas l'examiner? Il veut pas examiner le pot? C'est chelou ça, il veut pas l'examiner?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas de babyphone ici par hasard. Il y a plein de baby moniteurs, mais il n'y a pas de babyphone. C'est la base d'un baby monitor. D'accord. Il me manque un quand même. Il m'en manque toujours un. Où est-ce qu'elle aurait pu mettre... Si c'est la base du baby monitor, elle a forcément un truc quelque part, un récepteur, quelque chose. Ça me paraît logique. C'est un briquet, ok. Où est-ce qu'elle l'a foutu, bordel? Chut. Pas de bruit la radio. Comme qui dirait, et sans mauvais jeu de mots, silence radio. Vidéo cassette, playlist. Playlist, ok. Ça, je suppose que ça doit être pour les chapitres suivants. Babyphone. Où est le babyphone? Je te cherche. C'est juste des lettres. Y'a rien ici. Et quelqu'un qui respire. Bien joué Bobby, tu m'as eu cette fois, mais tu m'auras pas deux fois, crois-moi. Je vais te renvoyer d'où tu viens. Qu'est-ce que je cherche? Soit j'arrive à trouver un objet qui traîne dans le coin, mais alors là, ce sera vraiment... Non, toujours pas. Tu as un indice à me donner? Ah, il y a encore Mamie qui est là. Ah. Perso, allez. On la fait pas, moi. J'ai dit stop. Ok. Mais la dernière fois, c'était une simple déduction que t'avais faite ou t'avais trouvé ça sur une vidéo? Il n'y a pas de bougie ici. Babyphone. Je veux te poser une question, mais j'ai peur que ça te spoil. Vas-y, pose toujours. Je t'en voudrais pas, c'est pas grave, tu m'as aidé. C'est un prêté pour un rendu. Non, j'avais trouvé sur une vidéo, d'accord. Et sur la fameuse vidéo que t'as regardée, t'as pas la suite? Après, vas-y, hein, balance ta question. Déjà allé dans une forêt à ce stade du jeu. Oui, ça c'est le tout début, c'est le premier chapitre. C'est le premier chapitre, tu vas dans une forêt et t'arrives dans une cabane en fait. T'arrives dans une cabane, c'est le chapitre 1, ça avec Lucie.
Non, elle montrait juste pour la clé. La vidéo montrait juste pour la clé. Ah, putain. Et donc, je dois juste avancer la vidéo. Ouais, normalement, si t'avances la vidéo, je pense que là, ce que tu vas voir, en fait, c'est le premier chapitre. Avec Lucie, la petite fille qui a les cheveux longs et noirs. J'ai pas pris le bon chemin, je pense. Non, si, ça va. Mamie, ça suffit. Mamie, tu sais bien que je n'aime pas ce genre de choses. Tu sais bien que les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Et que toi, quand tu fais des plaisanteries, ça se termine toujours dans un bain de sang. Je t'aime beaucoup, Bobby. Il va peut-être falloir arrêter de te foutre de ma gueule maintenant. Putain, c'est con ça quand même, hein. Si près du but, il nous manque juste un truc. Bizarre que je puisse pas se mettre à la balle. J'espère qu'elle peut pas aller par là. Sinon, je suis dans la merde. Elle me suit, hein. Elle me suit. Elle est vénère, là. Elle est vénère. Ici, par contre, j'ai un pot, je comprends pas pourquoi je peux pas l'examiner. Si tu me dis quoi, tu me dis rien, toi. Si dans le chat, il y en a d'autres qui ont des idées sur ce qu'il faut faire. Même chose en anglais. If someone in the chat knows what to do and can give me a clue, I will be very thankful. Mais je pense que la vidéo que tu regardes, ça va juste te montrer le premier chapitre, pas plus. Parce que le deuxième chapitre vient juste de sortir aujourd'hui. Enfin, ou hier soir, très très tard. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver déjà des vidéos dessus. Dominator, alors que c'est le Terminator. Waylon Jones, alors Indiana Jones. C'est marrant, j'avais pas vu ça. Qu'elle okay, a des chaussons, il y a quoi? Elle en a rien du tout. Sûr que. Une fois qu'on aura trouvé, je suis sûr que ce sera un truc très évident. Mais là, honnêtement, je vais chercher. Je vois pas qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Ok, je le prends. Ouais, j'ai double briquet. Double briquet, double bobo. Je me demande si en fait tous les gens qu'on voit ils sont de la même famille ou c'est des gens totalement différents. Ça c'est une radio, on s'en fiche. Allez, s'il y a rien, je crois que j'avais déjà fouillé en plus ici. Déjà fouillé. J'avais déjà fouillé. Où est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'on aurait loupé?
T'as déjà eu un appareil photo aussi? Ouais, ça c'est le début, c'est les premiers en fait. L'appareil photo, ça te permet de détecter différents indices qui peuvent pas se voir. Ici c'est bloqué, on peut pas y aller. Et t'as aussi un monstre en fait avec des griffes. Ça, c'est vraiment la toute première partie que tu regardes. Il y a une porte ici. Qu'est-ce que j'aurais pu louper? Ami, tu veux pas me donner un indice? Je sais que t'es gentil au fond. Là, celui-là, on peut pas l'ouvrir. Pas de babyphone qui est tombé par ici. C'est juste des peluches. Celui qui arrivera à trouver qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il a mon respect inconditionnel. Sache que tu as déjà mon respect inconditionnel, du coup toi tu auras mon respect encore plus inconditionnel. Tu auras mon ultra respect. Voilà. Ah. Pourquoi je... Pourquoi je suis enfermé? Je peux plus rien faire. C'est normal ou c'est un bug? Il est censé se passer. Oh putain! Sacrée farceuse cette mamie, sacrée farceuse! Mamie, c'est bien de vouloir me caresser la joue, mais ce serait peut-être mieux de me dire où est-ce qu'il faut que j'aille. Je l'avais pas vu venir celle-là. Je l'ai vraiment pas vu venir. Ah, il y en a plus un dans le chat qui peut me dire ce qu'il faut faire. Qui peut me donner un indice, tout du moins. Please. Can someone tell me a clue? It's useless now. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? I need a clue. Please. Help. Comme Lilo dans le cinquième élément. Please. Help. Si on y met tous du sien, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on a dit à propos des lumières qu'on éteint? On s'en fout de la planète, on laisse tout allumé. C'est pas un fantôme qui va s'amuser à éteindre les lumières. Quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Est-ce que la... J'en viens à me dire des trucs mais qui sont complètement cons, genre j'ai envie de me dire, est-ce que la BD que j'ai récupérée, c'est pas un indice pour aller chercher d'autres trucs?
Ou c'est juste un truc à collectionner? Là, y a rien, c'est que de l'alcool. Ici, on a un freezer, mais y a rien. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. Je suis bloqué dans le jeu. Quelqu'un qui a encore fait une blague de mauvais goût, est-ce que je vois? Est-ce qu'elle n'aurait pas déposé là pendant qu'elle fait son ménage? On cherche, on cherche. C'est ça qui fait durer le live aussi longtemps en fait, la recherche. Fait longtemps que je suis pas allé dans cette salle-là, tiens. Est-ce que par le plus grand des hasards? Bah non, toujours pas. C'est bloqué. Oh mamie, mamie. Je vais essayer de retourner à l'étage du bas. Je m'en vais. Je m'en vais, peu importe ce que tu diras. N'hésitez pas, au lieu de me voir galérer à refaire 36 000 fois le même niveau, si vous avez un petit indice à me donner, je suis tout ouïe et vous aurez ma reconnaissance éternelle, sachez-le. Comme les AMG qui m'a fortement aidé pour le chapitre précédent. Enfin, pour le. Y a pas un truc dans la chambre sur le lit à côté du P. Dans quelle chambre? Tu parles de quelle chambre? La chambre des parents? La chambre du gosse avec... enfin, la chambre de la petite où il y a la vieille qui n'arrête pas d'arriver? Du coup, tu me mets le doute. J'y retourne. Et félicitations à Angel of Light qui passe niveau 21. Sur Level Up, merci à toi, merci beaucoup pour le soutien. Où il y avait les cassettes? Ok, bouge pas. Je vais regarder. Ne vous inquiétez pas, madame, respirez par le nez, on vous envoie le SAMU. Alors, tu me dis la chambre de papa et maman. C'est encore mamie qui est dehors? Oui, on sait, elle est dehors. On sait, elle prend la flotte, elle a froid, elle a faim. Alors, ok, je suis dans la chambre. Sur le lit à côté du peignoir. Là, le seul truc dans la chambre, en tout cas, selon moi, qui n'est pas encore possible de déverrouiller, c'est ça. Une boîte à musique. Il y a ça, c'est un code. Y a rien derrière. Les cassettes, je les ai toutes écoutées. Le miroir, je peux pas le casser. Le trou, je l'ai trouvé. Il y a un peignoir avec une sandale et il faut remettre une autre sandale ici, c'est ça? Parce que si c'est ça c'est le tout début, je l'ai fait. Normalement, effectivement, t'as un peignoir qui est ici avec une sandale qui est juste là, une sandale blanche. Et du coup, il faut ici récupérer la sandale. Pour la mettre
ici et en fait ça disparaît, ça casse le miroir. Ouais, ça j'ai déjà fait. Faut que tu avances. Ça c'est vraiment le tout début. Faut que tu avances beaucoup plus loin dans le dans la vidéo. Ok, bah y a pas de vidéo alors. Super. Là 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 là. Y a-t-il une âme charitable qui serait prête à m'aider? À me dire où il faut aller? Me dire qu'est-ce que je n'aurais pas encore fait? À m'indiquer? Ah oui, je suis au chapitre 2, oui. Bah c'est le chapitre 2, c'est le chapitre qui est sorti aujourd'hui, donc oui, c'est le chapitre 2. Chapitre 1, je l'ai fini hier. Chapitre 1, c'est avec Lucie. Tout ce qu'il y a avec Lucie, j'ai déjà fait. Continuer à explorer au sous-sol, peut-être qu'on va voir quelque chose, je sais pas. En tout cas, c'est sûr, on peut pas retourner là où on était. Avec le cimetière. Vu que le miroir il est muré, alors à moins que j'ai loupé un miroir. Bah c'est normal qu'il n'y ait rien si c'est déjà sorti. Bah oui, c'est ce que je te dis. C'est super récent, c'est sorti aujourd'hui. Mais il y a un gars dans le chat tout à l'heure qui l'avait. Attends. Merde. J'ai plus le nom du gars. Je sais pas si t'es arrivé si t'es arrivé depuis un moment sous le chat, il y avait un mec qui a dit je l'ai fini le jeu. Lui peut-être qui pourra nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Allez, la porte elle est. On va le tenter. Voilà. Ça c'est fait. Mettre des vinyles ici, mais j'en ai pas vu. Regarde au cas où, peut-être sur les forums de Steam. Pourquoi ça fait très. Ah, le bulbe est cassé, d'accord. Oui, tu peux demander. Après, faut voir où est-ce qu'il en est. Faudrait pas non plus lui spoiler le jeu. Ce serait bête. Hop là, voilà, un petit peu plus de lumière, c'est toujours ça de pris. Demande, on sait jamais. Toutes les solutions sont bonnes à prendre. Comme ça, si lui il est avancé, il te donnera la solution. Et tu pourras me filer un indice pour savoir dans quelle direction je dois me diriger. Ça déjà on a fait. Monter par là, ok. Briquet est presque vide, ça va, j'en ai encore un. Ici, il n'y a rien que je peux faire d'autre. Super, j'ai lâché mon briquet. À quoi ça servait de prendre cette croix? Pourquoi je pouvais prendre juste cette croix et pas une autre? Ok, je te remercie, Léa.
Ici, c'était le couteau qui était planté. Allez, hop, on saute dans le vide. Voilà. On va aller par là. Donc là, c'est mort. De toute façon, il n'y aura rien de plus ici. Allô? Pourquoi je ne peux pas bouger? Pourquoi je ne peux pas bouger? Je suis bloqué. Je suis bloqué, il faut que je recommence. Putain, mais je suis bloqué ici aussi? Putain, je suis bloqué partout! Waouh. Ok. Non, ça veut pas. Ok. Je vais relancer. Relancer le streaming. Un instant, je relance le streaming parce que du coup, ça a bugué, j'espère que. Du coup, Steam, jeu, Panrouli Rose, visage, jouer. Désolé pour le petit inconvénient, on relance. Ces siennes contiennent de la drogue. Les tests autosave. Ah ok, je venais juste de découvrir la porte. D'accord, en gros j'ai tout à refaire quoi. Super. Ah, j'adore ça. À combien d'objets là du coup? 1, 2, 3, 4, ok, ça va. Du coup, on va mettre la cassette pour lui faire plaisir. Putain, en plus, c'était tellement, tellement évident maintenant de le voir que c'était décalé. Déjà. Félicitations à tête qui passe niveau 39. Merci à toi, merci pour ton soutien.
Ça, on va la mettre ici. Ça ici. Hop, et ça. Hop. Ici, il y a une bougie, ça sert pas. Pas mal de trucs à récupérer. On cherche, on cherche, on cherche. Où est-ce que ça pourrait être? Un truc qui pourrait m'aiguiller, quelque chose. Que je peux récupérer ici. Non, plus rien. Ici, on avait déjà fait, de toute façon, ça sert à rien. Ils ont éteint quoi? Vous avez éteint quoi? Les autres streamers, ils sont pas au même point que toi. Je regarde après, je regardais que les streamers français. Ok, super. Bon, bah merci. Bon bah du coup mon jeu a buggé donc il a fallu que je ressorte et que je refasse. Donc là j'ai retrouvé la cassette, j'ai retrouvé le truc. Il y a tout. Bon, on va essayer de regarder vite fait sur internet. Si on peut trouver quelque chose. Tac 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 tac. Posté il y a 3 heures, chapitre 2. Ah, mais c'est que la partie 1, donc du coup celui-là c'est bien. Je n'ai pas besoin. Magnifique. Chapitre 2, chapitre 2. Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Solution, visage, chapitre 2. Faut que je fasse gaffe de pas me faire avoir aussi. Non. Je ne vois rien de rien. Ah, bordel, c'est vraiment dommage ça. En plus, tu sais, ça se trouve, c'est vraiment un truc tout con. Je me souviens plus, est-ce que j'avais déjà parlé à la femme avec le bébé? Le bébé. Le
Voilà, je... C'est une bougie. Ici, on peut pas ouvrir. Ici, c'est fermé. Bring me my child. La femme vous a demandé de lui ramener son enfant. Mais je sais où il est ton enfant, mais le cordon ombilical, il est pas assez long. Il est là ton gosse, je crois. Dis donc, children, tu voudrais pas venir avec moi pour faire un tour et voir ta maman? D'accord, faut pas que je reste dans le... que faire, que faire, que faire. Plus ça se trouve, c'est ça qui m'embête, c'est... Je regarde le temps de live, je vois, on est à aller. À tout casser 5 heures. Ouais, on sait que t'es là, on sait que t'es là, allez, c'est bon. J'ai à 5 heures de live. Là, j'ai fait le tour depuis quand même un bon moment. Je me dis bon, je vais arrêter pour stopper le stream. Et si ça se trouve, j'aurai le là. J'aurai la réponse demain. Et en fait, il me restera juste même pas. Allez. 5 minutes de jeu à faire. Je vais essayer avec l'appareil photo. On sait jamais. De toute façon, on est plus à ça près. Hein, donc, en attendant qu'on ait une solution concrète, je vais tenter tout ce qui me passe par la tête. Et là, ce qui me passe par la tête, c'est de tester. Peut-être l'appareil photo, ça me permettra d'avancer dans les parties sombres, même si j'y crois pas des masses. Parce qu'il y a deux babyphones, plutôt deux baby monitors qui sont dans la salle près de la salle de bain. Et après, je ne sais pas. Encore une fois, parmi les nouveaux venus, si jamais il y en a qui ont déjà fait le jeu, qui ont fini le chapitre 2, qui n'hésitent pas à me donner un indice. Ou pour les gens qui ne parlent pas français et qui comprennent uniquement l'anglais, if you already had finished chapter 2, please give me a clue. A clue, please, a clue. Bien entendu, pas un clou que l'on s'enfonce dans le bras, comme le petit Jésus. Un clou, un indice. Pourquoi je peux pas passer par là? C'était la petite blagounette. Ah bah non, en fait c'était une éponge, c'était même pas un... Par contre, ça, c'est un briquet. En
En vrai, je pense que demain, tu auras la réponse, ouais. Mais c'est ça qui me fait peur, c'est que là, tu vois, j'aimerais vraiment bien le faire, le finir en un run. Le souci, c'est que si je m'arrête là, et que, comme je disais, bah, je reprends demain. Bon, certes, je suis sûr que beaucoup de personnes reviendront le voir, mais je me dis que... Je me dis que ça se trouve, il me reste que 5 minutes de jeu à faire et au final, ce sera torché en même pas 10 minutes. Donc, ce sera un peu con de faire un live là-dessus. C'est-à-dire que je repasse sur autre chose. J'ai d'autres jeux qui sont en cours après, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste que ce serait un peu dommage vu l'état dans lequel on a déjà bien avancé. Mais plus le temps passe et plus je me dis que ouais je vais le faire comme ça. Hein. Ok, je vais tenter avec l'appareil photo de passer dans la salle de bain. Mais bon après, voilà, c'est clair, même pour le premier chapitre, honnêtement, il y avait déjà pas mal de monde qui l'avait fait, donc j'ai su à peu près ce qu'il fallait faire. Quand j'étais bloqué, je regardais les vidéos. C'est tout le principe du jeu en fait, c'est vraiment de chercher, chercher, chercher encore pour trouver la solution. Parce que le jeu, si tu connais la solution, il n'y a pas de souci en fait, il se finit très 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 rapidement. Mais... Le plus intéressant, ça reste quand même de le faire par toi-même, essayer de découvrir comment tout se bidouille. Ok. Ah, je pense que ça fonctionnera pas. Le briquet fonctionne pas. Ah si. Voilà, là ça fonctionne plus. Et là pareil, depuis tout à l'heure, il y a un truc qui m'énerve, c'est que j'ai ce truc là, le pot, je peux même pas l'examiner. Le seul truc qui me paraît très logique, ce serait... D'accord, il y a une horloge ici aussi. Ce serait de regarder peut-être au niveau des horloges s'il y en a une qui indiquait un truc en particulier, mais il n'y a rien. Les tableaux. Là, il y a un tableau, deux tableaux, trois tableaux. Là, il n'y en a pas. Du coup, je dirais qu'il faut aller par là. Sauf que ça me ramène au début. Du coup, je l'ai dans l'os. Et le seul truc que je vois, ce serait de trouver un... Parce que tu vois, ça, là, t'as le bébé monitor. T'en as un autre ici aussi. Je me dis peut-être que dans la maison, il y a un truc qui te permet justement de déclencher ça. Et en fait, en fonction de... J'ai déjà essayé, en fait. J'ai déjà essayé. Et en fait, il me ramène tous au début. Voilà, c'est... J'avais fait celui de droite. Maintenant, je fais celui de gauche. Et il me ramène tous là. Il doit y avoir un truc à faire, un truc à enclencher. Et s'il y a les bébés moniteurs qui sont là, je me dis, par déduction logique, normalement, si les personnes qui ont développé le jeu ont pensé comme moi, après tout dépend, s'ils ont pu avoir l'esprit tordu, bah tu devrais pouvoir trouver un babyphone quelque part. Mais j'ai beau chercher, je n'en trouve pas. Je sais que je te l'ai demandé, mais je sais pas si t'as regardé. Est-ce que t'as regardé au cas où sur les forums de Steam, si par hasard il y en a pas qui ont déjà fait le jeu et qui posent des questions sur et comment on fait pour passer tel endroit, qu'est-ce que fait pour trouver?
Parce qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va donner une réponse viable. Ça ici, il n'y a rien. Ça ici, on ne sait pas à quoi ça sert. Je pense que ce sera pour les autres épisodes. Je t'en remercie. Parce que celui-là, je peux interagir avec. C'est la base d'un movie monitor. Est-ce que... Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce que celui-là je peux interagir avec et les autres je peux pas interagir avec? Ça aussi c'est une bonne question à se poser. On va prendre des petites pilules. Qu'est-ce que j'aurais pu louper comme info? Je vais regarder peut-être qu'avec... Peut-être qu'avec l'appareil photo, j'ai quelque chose qui peut se débloquer. Quelque chose que j'aurais pas vu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les derniers chapitres vont sortir, ils vont encore devoir se taper un truc de malade. Toute bleue. Ah oui, la page de BD, je l'avais pas trouvé celle-là. Enfin si, je l'avais trouvé. Ça se trouve, c'est un truc tout con. Le dernier, mais il est par terre, hein. Fallait regarder juste au sol. Bonne nuit. C'est marqué bonne nuit. C'est mignon. C'est un dessin d'enfant. Moche, certes, mais un dessin d'enfant. Et puis c'est un enfant, vous attendiez à quoi? Bon alors. Je sais pas si c'était au début. J'allais dans une pièce avec plein de miroirs chelous. Oui, oui, ouais, j'y suis allé. J'y suis allé, en fait, faut juste regarder les différents miroirs. Il y a la grand-mère qui apparaît, puis au bout d'un moment, il y a un des miroirs qui se casse et tu peux passer. Ça, j'ai fait, effectivement. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu peux après avoir plein de miroirs qui apparaissent. Ça, c'est le chapitre 2, par contre. Effectivement. Donc déjà tu te rapproches. Je pense que ça devait être le... Ça devait être au tiers du jeu ça déjà. Je vais les prendre au cas où. Ah mais j'aurai pas de place pour mettre l'appareil photo après. Babyphone. Je vois que ça, hein. Je vois qu'un babyphone à récupérer. J'arrête pas de parler de babyphone depuis tout à l'heure.
à me sortir par les trous de nez, ce babyphone. Et ça se trouve, c'est même pas ça qu'il faut chercher. Ah, ici j'avais déjà regardé, y'a rien. C'était très drôle, mamie, très drôle. Là, je ne rigole plus. Je ne rigole plus, mamie, puisque ça fait 5h, 12 minutes et 16 secondes que je cherche ton foutu bébé. Et je dois te dire qu'il me sort par les trous de nez. Le bébé. Le bébé. Le bébé. Tu sais où tu peux te le foutre, ton bébé. Ah oui, c'est vrai, c'est l'autre qui va nous dire qu'elle va nous... La voiture dans le garage, elle est cassée, j'ai récupéré le... J'ai récupéré le marteau, oui. À moins qu'il y ait autre chose à récupérer. C'est mamie qui rigole. Ça, on avait vu. Ce qui paraît, je parle trop. Ah, ok, je vais aller voir en garage alors. Si c'est ça, je suis ton débiteur à jamais, sache-le. J'attends que mamie finisse de me raconter ses saloperies au téléphone. Voilà. C'est tout, mamie, ça, elle me raccroche à la gueule. Mais je l'aime quand même. Je crois que j'avais vu ça dans la... Dans une vidéo où, en fait, la voiture, elle fonçait, elle se cassait. Non, la voiture n'est pas cassée. Mais je n'ai pas les clés. Est-ce que tu aurais un peu plus d'infos? Pour aiguiller le pauvre bougre que je suis? Oui, oui, on a compris, il faut pas rester dans le noir trop noir. Je t'écoute. Je suis tout oui. Là, tu as... Ou tu parlais juste de ça, en fait. Tu parlais juste de... Tu parlais juste de la voiture qui est... Oui. J'ai pas vu, c'est passé quoi. Oh, bah rien, en fait. Je suis juste rentré dans la voiture et puis l'alarme s'est à nouveau remis en route. Pas grand chose de très intéressant. Mais ça va, t'es pas dans le noir. Oh là 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 là, mais quelle fiotte. Qu'un étage du dessus.
Non, y a rien. Non mais là j'ai pas rêvé, il y a quelque chose. Et en plus il y a un children qui pleure. S'il pleure trop fort, ça va attirer un curé. Bon, sinon trêve de blabla, la voiture cassée, tu parlais de quoi? Tu parlais de tu parlais du pare-brise qui a été cassé ou tu parlais de la voiture cassée, la voiture elle-même? Hein. Parce que si c'est ça, je veux bien que tu me dises comment. Je viens de voir la vidéo de la mamie, elle fait trop peur. Oui, bien oui. Je parlais juste du pare-brise, d'accord. On peut pas fouiller dans la boîte à gants, on peut pas fouiller dans le truc ici. On peut rien à faire dans cette voiture. On peut pas fouiller le truc là. Qui a éteint la lumière? On laisse toujours allumer ici. Ok. Comme ça et c'est pas autrement. Bon bah le pare-brise, oui j'ai déjà récupéré la massue pour justement la massue qui me permet de casser les planches et de casser les vitres. Qu'est-ce qu'il faut faire ma petite mamie? Qu'est-ce qu'il faut faire ma petite mamie? Mamie, donne-moi un indice. Quelque chose. Un bas de contention, je ne sais pas. Je t'appelle, mamie. Mamie, je te convoque. Je t'invoque, mamie. Mamie, si tu es là, tape deux fois. Si tu veux me tuer, tape une fois. Là, c'est bizarre, celui-là, je peux pas l'inspecter. Sache que je t'aime de tout mon cœur. Et que si tu me tues, je serai très triste. Très, très triste. T'as tapé trois fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi si t'as tapé trois fois? J'ai dit tu tapes une fois ou tu tapes deux fois, pas tu tapes trois fois. Est-ce que tu sais compter, mamie? Parce que j'ai l'impression que tu as des soucis. C'est con que l'autre il soit pas resté, il avait fini le jeu. Il aurait pu le dire. Il aurait pu nous dire qu'est-ce qu'il fallait faire. Putain, si proche du but. On va se laisser encore 10 minutes. Si à 5h30 de là il n'y a rien, je pense qu'on va stopper là. Et puis bah on se fera ça demain. En espérant qu'on ait trouvé quelque chose. On se tient au courant. Ça, je peux pas l'ouvrir. J'ai trois trucs que je... deux coffres que je peux pas ouvrir, une porte que je peux pas ouvrir. Petite mamie. Mamie? Mamie Blue? Je sais que tu es là déjà.
fort regrettable de ne pas savoir quoi faire. Tellement triste. Moi qui voulais finir le jeu. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Qu'est-ce que j'aurais pas fait? Mon intuition me dit d'aller au sous-sol. Parce que mamie n'apparaît pas au sous-sol. Comment je fais pour aller au sous-sol déjà? C'est un briquet. Attention mamie, double briquet, double bobo. Comment je fais pour aller au sous-sol? Merde, je me souviens plus. Mamie. On n'éteint pas les lampes. Ah oui. Faut que je descende. Ça va, c'est juste la radio qui s'allume. L'interférence, c'est rien. Si tu continues demain, j'ai mis les notifs de toute façon. Ok. Bah écoute, on va, comme je te dis, on va se laisser encore 7 minutes. Qui sait, peut-être que parmi les viewers présents, il y a certaines personnes qui ont vu le chapitre 2 de Visage et qui seraient assez fort aimables pour nous aiguiller dans la bonne direction. Et je continuerai demain si j'arrive à avoir un indice, parce que c'est vrai que sans indice ça va être compliqué. Je vais pas refaire encore 5 heures de live me baladant dans la maison sans savoir quoi faire. Mais en tout cas, merci pour le soutien. Qui sait, peut-être qu'une âme charitable va se manifester et me dire oui, je peux t'aider, ou yes, I can help you, s'il parle anglais. En fait, c'est très facile, il suffit juste de... Et il me dira ce qu'il faut faire. Et je dirais mais merci. Ou Dank Schön si c'est un allemand, je ne sais pas. Voilà, hop, on a une petite lumière ici. Tout de suite plus cosy. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu? À quoi est-ce qu'on n'aurait pas pu penser? En tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, la quasi-plupart des choses qui sont en Early Access, on sait où elles sont. Allez, rien ici. Ok. Merci à toi, bon jeu. Et encore merci pour le follow. À demain. Bonne soirée. Amuse-toi bien. Je crois qu'on va partir sur une défaite. Hein. À 5 minutes de la fin. C'est triste. C'est très triste même. Balader, se rebalader dans le truc. Ça fait tellement de fois que je me balade dans ces couloirs et j'arrive toujours pas à me repérer super bien. Enfin, je sais à peu près où sont les choses. Mais j'ai quand même des fois un peu de mal. Il reste 4 minutes. 4 minutes.
trouver le format de l'histoire, ça va être compliqué. Sachant que si je fais plus de 4 minutes, évidemment. Enfin, si je trouve le. Si je trouve ce qu'il faut, c'est sûr que je vais pas rester que 4 minutes. Ici, on a une autre horloge pareille. Ok. Seconde. Quelqu'un s'est amusé à éteindre la lumière. Photo d'un children. Très creepy. Merci, ça me sert beaucoup ça. Ça me sert beaucoup d'examiner ces objets qui me servent à rien. Ce miroir, il était là depuis le début, donc j'ai envie de me dire, c'est pas forcément... Qu'est-ce que j'aurais pu louper? Ah, ça m'énerve. Bonjour. Je t'ai pas vu toi la dernière fois. Ça m'énerve. Je le dis et je le répète, si quelqu'un a une idée, surtout qu'il n'hésite pas, parce que là, honnêtement, je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce que j'ai pu louper? Il me reste 1 minute 30. Oui, on sait, la bébé, donnez-moi la bébé. Bah, ton bébé, si tu le veux, t'as qu'à aller chercher toi-même, bordel. Je suis pas UPS, moi. Puis changer les peintures, là, c'est vraiment dégueulasse ici. Donc voilà, au premier étage, génial. Génial. Qu'est-ce qui manque? Hein? Petit Jésus, dis-moi ce qui manque. Non? Tu veux pas? Bon, là, il y a le petit children, mais je peux pas la... Ouais. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Malheureusement. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir participé, d'être venus aussi nombreux pour me soutenir sur... Visage, le chapitre 2 sorti tout juste aujourd'hui, du coup. Hein. Merci encore à, que je dise pas de bêtises, Chimie86, Léa MG et Showtime Slim pour avoir follow. Je vous dis donc à demain, j'espère, pour la fin du jeu. Puis après, on continuera je vais y arriver, sur Echo. Et puis, n'hésitez pas aussi, si ce n'est pas encore fait, et comme c'est le cas pour ceux qui sont ici, à follow la chaîne Nel, qui est là, mais qui voulait partir, mais qui ne partira pas. Vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne YouTube pour voir toutes les autres vidéos. N'hésitez pas aussi, pour avoir toutes les infos sur les prochains lives, vous pouvez aller sur le Discord, artnet_live, ou... Twitter, @artnet_live. Voilà. Merci beaucoup, Nel, pour cette intervention, qui, je suis sûr, sensibilisera tout le monde. N'hésitez pas, si c'est pas aussi encore fait, vous pouvez, en étant en follow ou pas la chaîne, hein, peu importe, c'est du moment que vous êtes sur PC, vous cliquez juste en dessous de la vidéo, vous allez sur la bannière Stropole, vous cliquez pour voter pour le prochain jeu que l'on va faire. Et si vous voulez, comme moi, jouer avec un ordinateur pro gamer, une configuration de ouf pour un prix
dérisoire. Vous avez aussi le lien pour le Shadow. Vous cliquez sur la bannière. Vous pouvez rentrer le code qui est indiqué. Vous avez 10 euros de remise sur votre premier mois d'abonnement. Voilà. Tout est dit, tout est fait. Je vous souhaite donc une bonne soirée après ces 5h30 de live. Merci beaucoup. Merci encore de m'avoir suivi, de m'avoir soutenu. Et je vous dis à demain pour, j'espère, et là je croise les doigts, la fin de Visage chapitre 2. Salut tout le monde.